suivre ta loi. Un nouveau jour sur la terre nous portera la lumière. Et le soleil brillera comme un message d'espoir sur un monde sans frontières. C'est ma prière. C'est parti pour un tuto un petit peu vintage, il faut bien l'avouer. Écoutez, Yann, mon ami, m'a demandé si je connaissais cette chanson. Évidemment que je connais cette chanson. Et évidemment que je l'ai faite avec mes élèves à plusieurs reprises à la demande de certains. Du coup, je vous propose un tuto super facile qui va aller très très vite. Allez, on se retrouve tout de suite. Yann Brandt, c'est ma prière. Comme je vous l'ai dit, ça va être un tuto super, super court parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a une succession de couplets et de refrains qui sont quasiment toujours les mêmes. Alors je vais vous faire une petite guitare, un couplet, un refrain et après ça sera à vous de jouer. Du coup, les accords également sont faciles. Alors je n'ai pas cherché à simplifier cette chanson au point de vue accord, ce qui veut dire qu'elle n'est pas adaptée pour des débutants parce qu'il y aura des barrés. Du coup, rythmiquement, voici ce que je vous propose de faire, mis à part le petit mi d'intro qu'on verra tout à l'heure avec le chant, voici ce que je vous propose de faire pour cette rythmique, pour essayer de retrouver un peu ce qu'on entend dans la chanson, c'est-à-dire ton, 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 ton. Alors, comment je fais ça? Basse et haut bas. Et c'est ce haut bas. Pour une fois, je vais vous dire qu'il faut cartonner un petit peu, sachant que ce haut bas se passe sur trois cordes. Basse, haut bas, haut, ce petit haut sur deux cordes avant de recommencer. Je vous fais ça en douceur sur ce la majeur. 3, 4 et... va se faire comme ça. On commence par un mi et sur ce mi on va juste se donner la tonalité et on va l'étouffer très vite après, c'est-à-dire ensuite on attaque notre rythme sur le la quatre si mineur. Il faut bien prendre la basse mi majeur et 1 2, 3, 4, sur ce la majeur, on va juste faire 1, haut, on se met en ré pour faire bas, haut, bas, haut, bas, haut, mi. Revoyons juste ça, à partir du mi de c'est ma prière, 3, 4 et 2, 3, 4 et la. La suite, c'est un couplet exactement le même, il n'y a que les paroles qui changent. Du coup, on va directement au refrain. Et pour attaquer ce refrain, sur cette dernière phrase du couplet, au lieu de faire ré, au bas, au bas, mi, on va revenir sur le la majeur, ce qui nous fait... Pour ce refrain, on va changer un tout petit peu. En fait, on attaque... Pour un la majeur, on attaque comme pour le couplet sur un la majeur, mais au lieu d'en faire 4, on n'en fera que 2. 1, 2, fa dièse, septième, si mineur, on en fait 2, et encore 2, et encore la majeur, 2 seulement, si mineur, un seul, mi majeur, et là. Et couplet suivant. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut au point de vue guitare pour faire cette chanson. Voyons maintenant le chant. Et là aussi, ça va aller très très vite. Donc on s'est donné la tonalité en faisant
ce qui est exactement la même chose que sur le disque. Hein. Et on attaque le chant. C'est ma prière. Et le R va arriver sur la basse. Hier, je viens vers toi. C'est ma prière. Je suivrai ta loi. Deuxième couplet. C'est ma prière. Un jour viendra ton pam. C'est ma prière. Le monde changera. Un nouveau jour sur la terre nous portera la lumière. Et le soleil brillera comme un message d'espoir sur un monde sans frontières. Et etc. On va pas aller plus loin sur ce tuto parce que, en fait, c'est toujours la même chose jusqu'au bout de la chanson. Allez, Yann, j'espère que tu me feras écouter le résultat de ce tuto avec ton petit groupe d'amis. Allez, on se retrouve très très vite. On fera un autre tuto, peut-être un tout petit peu moins vintage, mais c'est pas sûr.